Voilà, vous ajoutez les formules de politesse et c'est fini. Bien, monsieur. Angèle, il faut que je vous parle. Je vous écoute. J'ai beaucoup réfléchi pendant que vous tapiez. Vous avez raison. Ce que je suis en train de faire est une folie. Il n'est pas trop tard pour vous en rendre compte, monsieur. Oui, bien sûr. D'autant plus que tôt ou tard, votre petit ami ou la police finira par nous retrouver. J'ai bien pensé à ce que nous partions tous les deux à l'étranger, mais notre signalement serait communiqué aux aéroports et nous ferions arrêter par les contrôles de police. Si vous me libérez, je pourrais témoigner que vous êtes bien comporté avec moi, que vous m'avez fait aucun mal. Ça pourrait arranger les choses. Oui, vous avez raison, mais d'un autre côté, si je vous libère, je ne verrai plus votre joli sourire. Et ça, je pourrais pas le supporter. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Nous allons partir, tous les deux. Là-haut. Comme ça, nous serons unis pour l'éternité. Non, vous pouvez pas faire ça! Je suis désolé, Angèle. Je n'ai pas d'autre solution. Voilà. C'est une question de minutes. On n'a plus qu'à attendre. Je vous aime, Angèle. Si vous saviez comme je vous aime. Normalement, on devrait être bientôt arrivé. C'est précis, ce truc-là? Bah, ça dépend si son téléphone est en intérieur ou en extérieur. Si c'est à l'intérieur, et ben, c'est un peu moins précis, mais on sera juste à côté, ça ira. Bah, dis donc, t'en sais des choses, toi? Quand j'étais en prison, j'en ai profité pour apprendre quelques trucs. Je me suis dit que ça pourrait toujours servir, la preuve. J'espère qu'on va arriver à temps. Ça va aller, t'inquiète pas. Tu prendras la prochaine à droite, et on y est normalement.